Bonsoir, c'est parti pour un nouvel épisode dans lequel on va regarder des TikTok que seulement les filles peuvent comprendre. Je sais pas ce que j'ai fait, c'était l'idée de l'introduction. C'était beaucoup moins bien que ce que je pensais, voilà. Mes petits cookies, bonsoir, installez-vous, petit popcorn, et on est parti, y a pas d'intro longue aujourd'hui, on commence tout de suite. Bien évidemment, je sais qu'il y a aussi des mecs qui vont regarder cette vidéo, alors si tu es un mec, dis-moi dans les commentaires quel TikTok tu comprends et lesquels tu comprends pas trop. On va faire un test, on va voir si tu t'y connais bien en meuf ou si tu t'y connais pas du tout. Spoil, moi je crois que je m'y connais un peu pas beaucoup. On verra. J'ai très peur, attention. Premier TikTok, c'est parti. Quand je dis ton secret est sûr avec moi, je veux dire, attention, c'est sûr, elle va en parler à une copine. Ton secret est sûr avec nous. C'est sûr, c'est obligé, ça m'étonne pas. Là, je confirme, ne révélez jamais, si vous êtes un mec, un secret à une meuf. Parce que vous savez que cette meuf-là, elle va en parler à tous ses meilleurs potes. C'est sûr, vous êtes comme une secte, vous les meufs. On vous raconte un secret, vous le balancez à 5 autres personnes qui sont votre groupe de besties. c'est pas grave, on se comprend. On fait pareil en tant que mec, c'est juste que les gens le savent pas. Je viens de balancer une vérité, là, je crois. Cette meuf a révélé un truc vraiment choquant sur les filles. Regardez bien, c'est assez ouf. Regardez ça. Qu'est-ce que c'est que ça? What? Je sais pas à quoi je m'y attendais, mais je suis quand même choqué. Alors, y'a aucun problème, hein, moi je trouve ça super cute, à part ça, les meufs qui ont pas vraiment de la poitrine. Par contre, le soutien-gorge! C'est un cheat code le truc. C'est un cheat code qui ajoute plus 40 cm de poitrine. En vrai, si ça se trouve là dans ta classe, la moitié des meufs, en fait, elles ont rien, juste elles ont des gros soutiens-gorge. Mais après, pourquoi pas, en vrai, y'a aucun problème, hein, faites ce que vous voulez. Prochaine vidéo. Pour le moment, en tant que mec, je comprends tout. Très chou. Too bad I'm not pregnant. Quoi? Attendez, mais en fait, les meufs, vous avez des capacités à modifier votre corps, c'est impossible. Comment vous faites ça? Attends, mais what the fuck? Regardez, on dirait vraiment qu'elle a un putain de ventre et d'un coup, c'est aberrant. C'est complètement aberrant. C'est juste une pote, elle représente rien pour moi. Dans ce cas-là, bloque là. Bien sûr, ça va dans les deux sens. À part ça, c'est un vrai move, ça, les meufs, hein. Si vous êtes en couple et que votre mec, il vous dit « Non, mais c'est juste une pote, elle représente rien pour moi. » Dans ce cas-là, dites-lui, bah, bloque-la. Vas-y, on va voir si elle représente vraiment rien pour toi. Vas-y, bloque-la, on va voir ce qui va se passer. Non, c'est un peu toxique. C'est mon petit côté toxique qui ressort, je crois, là. Moi qui rentre secrètement dans ma chambre à 3h du matin après avoir avec mon copain. Attention. Mon frère gamer qui ne dort jamais. Quand j'ai une maison pour moi tout seul. Oh là, waouh. Il y a une porte qui s'ouvre. Il y a une putain de porte qui s'est ouverte tout seul en haut. Waouh. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a intérêt que ça soit le vent ou un truc comme ça, sinon je te jure que je suis pas bien. Là, on est plus dans une vidéo des TikTok destinés pour des meufs. Là, on est dans une vidéo TikTok flippant. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Heureusement qu'on n'a pas vu des yeux apparaître ou un truc comme ça dans le coin parce que j'aurais eu vraiment peur. Par contre, le fiac de la meuf est pas mal. Pardon. Waouh, qu'est-ce que je raconte là? Oh là là, eh. Mon corps quand je pose de côté. Mon corps quand je pose de devant. Alors, j'ai pas la ref en tant que mec, parce que je trouve qu'il y a pas une grosse différence en vrai chez moi. Mais alors, chez les meufs, je pense que vous devez avoir la ref. Après, ça reste super beau de face aussi, hein, y a aucun problème. Les filles, quand elles ont leurs règles. Oh putain, je sens que ça va être drôle. Ice cream. Chocolate syrup. Topping. Ah, par contre, il en met partout. Ah, le gaspillage alimentaire. He hasn't texted me back ah. In 30 seconds. Wouah, j'espère que c'était de la fausse nourriture parce que frère, il en a mis partout. Après, je suis d'accord avec lui. Les meufs, quand vous avez vos règles, pourquoi vous n'arrêtez pas de manger? C'est une vraie question. J'ai une copine, elle arrête pas de manger tout le temps quand elle a ses règles. Je sais même pas comment elle fait. Après, pourquoi pas, je pense que ça doit être un système de défense, enfin de scientifique, enfin ça veut rien dire ce que je dis, mais t'as compris. Mais voilà, ça me fait rire. À part ça, pour le moment, on s'en sort. Il n'y a pas eu de truc trop bizarre, on comprend tout. Qu'est-ce que... Oh! Qu'est-ce que c'est que ce masque? Qu'est-ce qu'elle a fait? Attendez, je comprends pas qu'est-ce qui... Ah putain, j'ai compris! Waouh! Waouh, j'ai cru pendant une seconde que c'était autre chose. Je pense qu'il a eu son rouge à lèvres et elle l'a mis autour de la bouche et... C'est ça. Putain, j'ai l'esprit mal placé, c'est fou. Quand ton père achète tes pads. C'est quoi des pads? C'est des tampons. D'accord, excusez-moi. Waouh, il a pris un...
Il a pris un truc genre 4 XL 500 000 et ça fait le tour de sa poitrine le truc. Pour ceux qui savent pas, c'est le truc genre quand t'as tes règles et tout. Sauf que là, il est trop grand, là, il y a un problème. Ok, ça c'est incroyable, ça peut même intéresser les mecs qui ont les cheveux longs. Ce life hack est ouf. C'est pour enlever, je crois apparemment, les cheveux qui sont sur une brosse. Regardez bien. Tu mets de la colle dessus. Plus ou moins normal, avec les cheveux dessus. Et ensuite, regarde ça. Wouah! Ça a l'air super satisfaisant, mais d'un autre côté, j'ai trop peur que, genre, il reste encore de la colle et qu'après, du coup, quand tu t'essuies les cheveux, ben, tu mets de la colle dans tes cheveux, c'est bizarre. Ah. Mais c'est stylé, j'aime bien le concept. Prochain TikTok. Allez, porte le soutien-gorge de ta meilleure copine. Ok. What? Attends, le soutien-gorge de sa meilleure pote fait la... Il fait la taille de ses mains. Attends. Et ça... Oh, putain. Et ça, du coup, c'est sa meilleure pote. Et ça... Et le soutien-gorge, mais frère, le soutien-gorge de sa meilleure pote, il fait la taille de sa tête. Ouah, je savais même pas qu'il pouvait y avoir des différences aussi grandes. Comment c'est possible, frère? Rien à voir, mais je te rappelle qu'il y a un petit concours très sympa où en gros, je m'abonne et je vais discuter, je passe sur le compte de n'importe quelle personne qui commande un vêtement de ma toute nouvelle collection de vêtements. Voilà, les vêtements ressemblent à ça, ils sont beaucoup trop stylés. Vous avez déjà été super nombreux à en commander, ça me fait trop plaisir. Et moi, bien sûr, si tu commandes n'importe quel vêtement, t'as une chance que je m'abonne à ton compte, qu'on retrouve tes réseaux sociaux et comme ça, on peut discuter un peu ensemble. Voilà, on reprend avec la vidéo, mais je voulais vous informer comme ça rapidement. Allez, on reprend. Ma copine avant avoir mangé. Ok. Elle est fâchée. Pendant qu'elle mange. Ah. Elle l'aime à nouveau. C'est tout le temps comme ça, les meufs. Avant manger, vous avez le seum. Et ensuite, une fois que vous avez mangé, vous êtes heureuse. C'est si simple. Mais c'est trop chou. Seulement les filles pourront comprendre. J'ai peur qu'il y ait un sous-entendu là. J'ai peur qu'il y ait un sous-entendu. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce... Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pas la ref. Ah putain, je crois que je sais ce que c'est. C'est un truc où vous mettez vos trucs pour les cheveux, non? C'est genre le truc, enfin c'est le... Ouais, c'est les élastiques aux cheveux que vous mettez autour de votre bracelet. Sauf que du coup, c'est trop serré et ça. Ah, je comprends votre douleur. Je comprends votre douleur. Je ne l'ai jamais eu, mais je la comprends. Quand ta plus grande peur se produit, je crois qu'en une image, j'ai compris ce qui s'est passé. Oh putain de merde. En fait, attendez, je vous explique si vous n'avez pas compris. Quand les meufs, elles ont leurs règles, ils mettent parfois des tampons. Genre, c'est un truc que tu mets dedans, voilà, et ensuite, c'est censé éviter que ça saigne partout, tu vois. Sauf que du coup, le tampon, il a un petit truc, il a un petit fil pour que tu puisses le ressortir après. Et le fil s'est cassé. Du coup, ça veut dire que le truc est bloqué dedans. Ah, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. J'ai besoin de faire un... Pardon. J'avoue, en vrai, ça doit faire flipper, par contre. Hein. Tu ressors, t'as plus que ça, t'es en mode... Je suis un dé et je peux le porter sans soutien-gorge. Alors tu n'en es pas un. Attends quoi? J'ai pas compris. Dites-moi dans les commentaires, celui-là j'ai pas compris. Ou alors je n'ai pas compris ce TikTok. Prochain TikTok, celui-là il est incroyable, dites-moi ce que vous en pensez. Ce mec a expliqué pourquoi il n'avait pas de potes meufs. Et vous allez me dire les meufs si vous êtes d'accord avec lui. My friends are men. I don't have female friends. I don't. I'm incapable of that. Why? What do you mean? Well, because you know, come on. Because you have a wife. Well, I have a wife and I don't really have female friends because you're an attractive woman. There are some guys somewhere saying, yeah, we're friends. No, that's not true. He's your friend only because you have made it absolutely clear that nothing else is happening except this friendship we have. We remain your friends in hopes that one day there'll be a crack in the door, a chink in the armor, and trust and believe that guy that you think is just your buddy, he will slide in that crack the moment he gets the opportunity. Je suis d'accord! Je suis d'accord pour moi, les gars, sincèrement. L'avis de ma mère, vous allez me dire ce que vous en pensez. Je sais que beaucoup d'entre vous seront pas d'accord avec moi, ça va créer un débat de ouf pour moi, je vous le dis. Et je mets ma main à couper que l'amitié, fille, garçon, à partir du moment où la meuf est plutôt belle ou plutôt attractive, tu vois, où le mec est plutôt beau ou plutôt attractive, ça n'existe pas. C'est mon avis, bien sûr, mais pour moi, ça n'existe pas. En tout cas, au niveau des mecs, au niveau des meufs, j'en sais rien et je vais pas me prononcer à leur place, mais au niveau des mecs, je ne connais pas de mec qui est pote avec une meuf et qui sait pertinemment qu'il pourra la pécho et qu'il ne le fait pas. Ça veut dire que pour moi, les mecs qui sont potes avec des meufs, ils savent tous très bien. Je parle vraiment de meilleurs potes là, je parle pas forcément de juste collègues de travail, à la limite, vas-y, pourquoi pas. Mais je parle vraiment genre d'être meilleur pote avec une meuf ou un truc comme ça, tu vois. Pour moi, il y a de toute façon un des deux qui attend de pouvoir la pécho. Pas forcément consciemment, mais peut-être inconsciemment, tu vois. Sauf si c'est vraiment deux personnes qui sont super moches. Et c'est tout le temps comme ça pour moi. Bref, t'as compris quoi. Voilà, c'était mon avis, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Quand je ne porte pas de soutien-gorge sous mon t-shirt et que mon frère ou mon père arrive. Oula, oula, qu'est-ce que. Attention. Oh non, la technique du pour ne pas qu'on voit les petits boobies. Je comprends, y a pas de problème. Après, si elle doit se cacher devant son daron, c'est un peu bizarre l'ambiance. C'est en mode le daron, il va regarder ses, enfin je sais pas, c'est un... enfin non, t'as un daron, tu regardes pas ça, genre je sais pas. Un peu bizarre quand même l'ambiance. Les filles qui vont aux toilettes tout en étant dans un uniforme qui fait une seule pièce. Qu'est-ce qu'elle fait?
Qu'est-ce que... Ah oui, d'accord, c'est une meuf qui... Oui, bah oui, en effet, quand vous... Putain, j'avoue, quand vous avez un vêtement qui fait une seule pièce, les meufs, vous faites comment? Vous enlevez tout, genre? C'est trop bizarre, du coup, vous... c'est trop chelou. Prochain TikTok, est-ce qu'on peut parler une seule seconde de cette image? Les meufs, pourquoi vous n'utilisez pas vos poches? C'est une vraie question, là, que je soulève directement. Regardez le nombre de choses qu'elle a dans sa main. Ce n'est pas possible scientifiquement. Elle a ses clés, une glace, son porte-monnaie, son téléphone, un truc ici, et elle est à l'aise. C'est ça le pire. Il va falloir commencer à utiliser vos poches, les meufs, hein. Je sais que vous en avez pas envie d'avoir des bosses, des trucs comme ça, mais s'il vous plaît, les filles sans raison à 3h du matin. Qu'est-ce qu'elle fait by myself, with no help at all. I'm a barber. I can do this. Les filles qui se relèvent à 3h du matin pour aller se couper les cheveux toutes seules parce qu'elles pensent qu'elles sont coiffeurs, tout d'un coup. C'est rigolo. Putain, mes cheveux là, il faut... Ça, on parle de cheveux, ça me stresse. Ok, apparemment les mecs ne savent pas faire la différence entre ces deux regards. De quel regard est-ce qu'elle parle? Attention. Premier regard. Ok. Deuxième rue. À quel moment il y a une différence? Il y a une différence entre les deux regards qu'elle vient de faire? Attendez, il faut que je... Il y a pas de différence! Je suis désolé, il y a aucune différence entre ces regards. Dites-moi dans les commentaires, les meufs, là. Oh. Donc vous êtes en train de me dire que vous avez des messages cachés avec vos regards et que nous, on les voit pas? C'est fou. Putain, je l'ai pas compris, celui-là. Les filles, quand elles enlèvent le bouton de leurs jeans... Quoi? Qu'est-ce qui... Oh là, c'est un peu... Ok, ça j'ai la ref. J'ai la ref parce que j'ai une copine et je sais pas pourquoi vous êtes des ouf les meufs. Et vous serrez vos jeans beaucoup trop fort. Du coup quand vous l'enlevez vous êtes en mode oh j'ai de la place pour respirer. Mais les meufs, mais c'est pas grave si vous avez un petit bidou, y a aucun problème. Y a pas à le cacher comme ça en fait. Vraiment je comprends pas pourquoi vous faites du mal comme ça. Genre en plus moi je trouve ça trop mignon. Un petit bidou, genre prenez un jeans une taille au dessus et c'est pas grave, vraiment y a aucun problème, personne vous en veut, hein. Quand tu te brosses les cheveux et que sans faire exprès tu te brosses le téton avec. Attends, qu'est-ce que je viens de dire? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, bah c'est des problèmes de meuf, je n'ai pas ce souci là, mais merci. J'ai doublement pas ce problème, hein. Déjà j'ai pas des cheveux longs, et en plus de ça j'ai pas de boobies, donc... En parlant de ça, c'est déjà la fin de la vidéo, mais je te rappelle que tu peux cliquer sur ton écran pour regarder un autre épisode. Yeah, yeah, yeah. Viens vraiment, on se tape des barres, je te jure, on rigole. Non, viens, non, clique sur ton écran, viens, continue de passer la soirée avec moi, c'est rigolo. Et pour les autres, abonnez-vous et rendez-vous demain à 18h15 pour une prochaine vidéo. Chaque jour, le rendez-vous quotidien sur cette chaîne secondaire, c'est ça, c'est oui, c'est ce qu'on veut. Le Cookie Gang, ok. Allez, salut.